Alors, pourquoi épargner? Imaginez là, vous avez 50 000 euros posés dans votre compte en épargne, ou même 200 000 euros en épargne. Mais vous sentez en sécurité, quoi. Ok, je m'appelle P3PA Nelly et aujourd'hui, si je peux vous parler de gestion financière. C'est parce que à un moment de ma vie, je me suis rendu compte que, en fait, c'était très difficile de pouvoir envoyer juste de l'argent à ma mère pour se soigner, parce que moi-même, je n'en gagnais pas assez. Après, je me suis dit non, mais même si j'en gagne assez, est-ce que ça va suffire? Et j'ai cherché un travail, hein. Donc, je faisais les études à côté et je travaillais aussi. Je courais dès que je finissais les cours, j'allais en même temps au travail, je rentrais très tard chez moi, mais ça n'a pas vraiment changé les choses. C'est pour ça que j'ai mis 2 ans quand même à pouvoir arriver là où je suis, quoi. Et c'était un moment très difficile parce que l'argent, c'est vraiment les émotions. Donc, oubliez tout, la famille, les amis ou les situations imprévues de la vie, non. C'est vous le problème en fait. C'est vous-même qui devez, on va dire, faire des sacrifices et changer votre façon de penser. Bon, on va commencer sans plus tarder. Alors, pourquoi épargner? Depuis que je suis petite, bon, c'est peut-être le cas aussi pour vous, hein, on m'a appris qu'il fallait épargner pour 2 raisons. Premièrement, parce que on ne savait pas ce qui peut arriver dans la vie, donc il faut toujours avoir un peu de côté au cas où il y a un problème. C'est pas forcément une raison en soi, mais voilà, c'est une des premières raisons. Et la deuxième, pour dépenser. Donc, vous épargnez de l'argent, ensuite vous le dépensez dans les voyages, les vêtements. Donc voilà, c'était que ces 2 raisons-là. Quand on pose de l'argent, soit c'est pour dépenser ou soit ben, c'est pour préparer les mauvais jours. Et c'est tout. On ne m'avait pas expliqué plus que ça en fait. Donc vous comprenez déjà que la motivation pour épargner, elle n'est pas vraiment solide. Quand je dis à ma nièce, non, il faut économiser, elle me dit, oui, mais j'ai envie plutôt de m'acheter ça. Elle n'a pas vraiment envie en fait. Donc votre motivation, si elle est basée sur ces deux-là, ça va pas, ça suffit pas. Donc, je vais vous partager d'autres pourquoi vous devez épargner de l'argent. Premièrement, pour acheter votre liberté. Qu'est-ce que j'entends par là? La liberté, en fait, c'est le temps. Vous êtes sur Terre quand même, pour ceux qui ont beaucoup de chance, qui vont arriver à 90, 95 ans, mais pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, il y a une bonne partie où vous étiez à l'école, une autre bonne partie où vous êtes au travail, et puis après, ce qui vous reste, c'est la retraite pour, entre guillemets, être libre, libre complètement, quoi. Vous travaillez du lundi au vendredi, il n'y a que 2 jours sur les 7 qui sont pour vous. Donc, ça doit vraiment être votre première raison d'épargner. Donc, cette liberté, elle est physique, mentale et sociale. Qu'est-ce que j'entends par là? Physique parce que vous ne serez pas obligé d'être quelque part parce que quelqu'un vous a dit, il faut que tu viennes à telle heure, que tu rentres à telle heure. Donc, physiquement, vous êtes libre. Vous pouvez partir dans un autre pays. Vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas contraint physiquement en fait. Deuxièmement, vous avez une certaine liberté mentale. Cette liberté, elle passe par, c'est aussi la deuxième raison, hein, donc de devenir une meilleure personne. Par exemple, le fait d'acheter des livres, disons que vous êtes une personne colérique. Le fait d'acheter un livre, justement, pour apprendre à gérer cette colère-là, ben, il faut payer le livre, quoi. Donc, c'est une raison aussi pour épargner, pour pouvoir vous transformer de l'intérieur, apprendre à être mieux, à vivre mieux. Ne serait-ce qu'avec vous-même, parce qu'il y a des gens, ils ont plein d'amis et ils se sentent seuls quand même. Ils sont, voilà, donc ça aussi, c'est une raison d'épargner. Et la liberté sociale,
c'est-à-dire de passer du temps avec les gens que vous aimez, de leur faire le cadeau que vous voulez, pas arriver dans le magasin et puis dire « Ah bon, ça coûte 99 euros ». Non, on va avoir un cadeau un peu moins cher. Non, acheter quelque chose vraiment qui va plaire à la personne, pas penser en termes d'argent, quoi. Donc, faire aussi ces genres d'actions-là, vous pouvez avoir de l'argent et justement, ben, mettre ça, que ce soit physique, mental ou social, vous avez une certaine liberté, en fait. Donc, ça, c'est une. C'est, en tout cas, ça doit être votre première raison d'épargner. Deuxième raison, bon, devenir une meilleure personne. Vous savez, hein, vous pouvez avoir beaucoup d'argent et puis pas être heureux. Donc, c'est tout ce qu'on entend en général comme croyance limitante pour ne pas chercher l'argent. Et ça, c'est une raison. Il y a des gens qui gagnent le loto et puis ben, ils ont beaucoup d'envie, des désirs ou des trucs, voilà, des certaines frustrations où ils se sentent peut-être un peu... je sais pas moi, gêné d'avoir été pauvre et maintenant ils veulent se faire plaisir. Donc ça aussi, si vous a, parce que vous assistez à la conférence, donc vous savez qu'avec cet argent, vous allez pouvoir devenir meilleur aussi. Donc c'est super important. Troisièmement, pour votre sécurité et votre bien-être mental. Imaginez là, vous avez 50 000 euros posés dans votre compte en épargne. Ou même 200 000 euros en épargne. Mais vous sentez en sécurité, quoi. Parce que s'il y a quelque chose qui se passe, ça ne va pas vous attendre. Les gens, ils vont commencer à pleurer. La vie est dure, la vie est devenue chère. Mais vous avez déjà anticipé. Parce que vous avez épargné. Donc ça, c'est la première raison d'ailleurs qu'on m'a appris. Ensuite, saisir les opportunités et réaliser vos rêves. Je connais une personne qui n'a pas de rêve. Elle m'a dit, non, moi, je veux juste manger, vivre tranquillement et puis pas qu'on me dérange. Mais ça, c'est parce qu'on n'a pas l'argent. L'argent permet de réaliser des choses que normalement même, ben, tu aurais pu en fait. C'est juste parce que peut-être tu es né dans une certaine condition de vie. Donc, tu n'as pas été éduqué à rêver grand. Mais en ayant cet argent-là, c'est là, en fait, que tu vas commencer à voir autrement le monde. Donc, c'est vraiment important. Parce que vos rêves, justement, chacun a des rêves personnels. Mais le fait d'en réaliser certains, ça va vous procurer une certaine satisfaction. Vous allez vous dire, OK, je suis venue sur Terre, là. Au moins, j'ai pu faire ça. Au moins, j'ai pu faire ça. Je suis heureuse. Là, je peux partir en paix, quoi. Il y a des gens qui de leur naissance à leur mort, sur leur lit de mort, ils commencent à regretter parce qu'ils auraient voulu faire ça, ils n'ont pas eu le courage de faire ci ou... Voilà, donc ce sont des choses que maintenant que vous savez, vous ne pouvez plus vous comporter en fait comme si vous ne saviez plus. C'est une raison pour laquelle vous devez aussi épargner. Parce que si vous pouvez beaucoup, gagner beaucoup d'argent, hein, mais en dépenser autant... Mais est-ce que vraiment ça va dans les rêves et même les opportunités aussi qui se présentent? Bref, ne pas être une charge pour la société. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui croient que parce qu'on est de la même famille ou parce qu'on est amis, ben, c'est à moi de m'occuper de lui. Alors que non, chacun est responsable. Il n'y a pas de... Vous ne devez pas être une charge. J'ai vu des gens, et c'est ce qui se passe encore chez nous, hein, cotiser pendant le décès d'un de mes oncles. Donc, cet oncle-là, il avait de l'argent et il a mal géré. Il est décédé et toute la famille, du coup, déjà que vous êtes dans la peine, dans le deuil même, vous devez encore chercher l'argent pour vous cotiser. C'est pas possible, quoi. Assurez-vous qu'en partant de cette terre-là, vous ne soyez pas une charge pour les autres. Donc, voilà. Épargnez, quoi. Ayez toujours de quoi. Et enfin, laissez un héritage. Parce que ça, la plupart des gens, ils vivent juste le jour comme ça. Mais quand j'ai lu le livre « Je suis Kunta » de Ricardo Kanyama, j'ai compris en fait que les esclaves d'avant,
Ils étaient prêts à passer toute leur vie pour économiser le peu d'argent qu'ils avaient, pour que leurs propres enfants n'aient pas à subir en fait ce qu'ils aient, pour acheter la liberté de leurs enfants. Donc cette excuse de « non, je n'ai pas assez pour économiser », c'est faux. Ça dépend de votre pourquoi. Ne serait-ce que pour vos enfants, on va même pas dire vos petits-petits-petits-enfants, ne serait-ce que pour vos enfants, assurez-vous qu'ils soient en mesure de pouvoir avoir les choses que vous n'avez pas eues.